When investigators asked why they did it, they both had the same answer: Slender Man. This is their supply list. Notice the kitchen knife. So you guys told everyone on there to bird watch, and then what happened? Nous sommes en 2014 dans la ville de Waukesha. Waukesha, une ville qui se situe dans le Wisconsin, aux États-Unis. Et je pense que vous ne connaissez pas du tout Waukesha, hein Mais vous connaissez peut-être Milwaukee, qui est d'ailleurs la ville dont le tueur en série Jeffrey Dahmer est originaire. Disons donc pour vous situer un petit peu que Waukesha se trouve dans la banlieue de Milwaukee. En 2010, la ville comptait un peu plus de 70 000 habitants. Donc ce n'est pas une Toute petite ville, hein. mais c'est une ville qui a l'air assez rurale. Comme la plupart des villes du Midwest américain, Morgan Geyser et Peyton Lutner sont deux fillettes de Waukesha qui y sont nées et qui y ont grandi. Et il se trouve qu'elles sont aussi meilleures amies. Elles se sont rencontrées en maternelle, un jour où Morgan était assise toute seule dans son coin. Peyton est venu s'asseoir à côté d'elle. Elles ont commencé à discuter, à jouer ensemble, et à partir de ce moment-là, elles étaient inséparables. Elles se voyaient à l'école, mais aussi en dehors de l'école, elles jouaient ensemble en permanence, elles se faisaient des soirées pyjama et elles étaient extrêmement proches. D'ailleurs, il faut savoir que pendant très longtemps, Peyton était la seule amie de Morgan et donc elle l'appréciait davantage hein, à cause de ça. Elle lui donnait même des petits surnoms, elle l'appelait Bella. Mais autant vous dire que cette amitié a commencé à changer à partir du moment où les jeunes filles sont entrées en sixième. On connaît tous la sixième. C'est la période où on change énormément, où nos intérêts évoluent et certaines fois on commence à s'éloigner de nos amis de maternelle ou de primaire parce que on grandit tout simplement. Mais dans cette affaire, la raison de l'éloignement de Morgan et de Peyton était une nouvelle fillette, une nouvelle fillette qui s'appelait Anissa et qui venait d'arriver dans leur école et même de déménager dans le coin. En fait, Anissa a emménagé dans l'île immeuble où vivait Morgane. Donc naturellement, elles ont commencé à discuter ensemble en bas de l'immeuble, à aller en cours ensemble et à se rapprocher de plus en plus jusqu'à devenir vraiment, vraiment très, très proches. Anissa était une fillette mature, très mature pour son âge, beaucoup plus mature que Morgane. Et elle passait son temps sur des sites internet, à lire des histoires horrifiques. Elle était vraiment dans tout ce délire, film d'horreur, gore, et elle adorait se faire peur en fait. Et du coup, un jour, Anissa a présenté à Morgan l'histoire de Slenderman. Et les deux fillettes sont devenues très vite fascinées par le personnage. Vraiment fascinées, c'est un euphémisme, elles étaient obsédées par Slenderman. Le Slenderman, également orthographié Slenderman, est un personnage surnaturel fictif qui a vu le jour à l'occasion d'un concours sur le forum Something Awful en 2009. Eric Knudsen, qui se faisait appeler Victor Surge sur le forum, a décidé de transformer deux photos d'enfants en noir et blanc et d'y ajouter une figure blanche filiforme en costume noir, qu'il appellera plus tard Slenderman. Pour parfaire ses œuvres, il y a bien évidemment ajouté des légendes. La première, nous ne voulions pas y aller, nous ne voulions pas les tuer, mais son silence persistant et ses bras tendus nous horrifiaient et nous réconfortaient en même temps. 1983, photographe inconnu, Présumé mort. La deuxième, l'une des deux photographies retrouvées dans l'incendie de la bibliothèque municipale de Stirling. Elle a été prise le jour où 14 enfants ont disparu et on peut y apercevoir de Slenderman. L'incendie de la bibliothèque a eu lieu une semaine plus tard. La photographie a été confisquée comme preuve. 1986, photographe Mary Thomas disparue depuis le 13 juin 1986. Après le concours, le personnage de Slenderman a continué à avoir beaucoup de succès. Les fans se sont réappropriés l'histoire et ont commencé à écrire des histoires courtes et horrifiques à son sujet, nourrissant la légende. Donc, les fillettes étaient obsédées par Slenderman, mais elles étaient loin d'en avoir peur. Hein. Au contraire, elles le glorifiaient. Slenderman était devenu leur dieu. Il était au centre de toutes leurs conversations, au centre de toutes leurs préoccupations. Et Morgan envoyait régulièrement des liens à Peyton, donc, qui était toujours son ami, mais avec qui elle avait un peu moins de contact. Elle envoyait des liens de sites qui parlaient de Slenderman qui relayait des histoires liées à Slenderman à travers le monde. Son but était de prouver à Peyton que Slenderman existait bel et bien. Mais son but était aussi un petit peu de lui faire peur. Elle lui disait souvent ⁇ Tu sais, Slenderman t'a prise pour cible, et il te regarde quand tu dors. Vous imaginez ?⁇ la petite Peyton, qui avait seulement 12 ans à l'époque, elle était totalement terrifiée par ces histoires. Elle était tellement terrifiée qu'elle a commencé à pousser son lit le plus loin possible de la fenêtre quand elle dormait. Mais aussi, elle est allée se plaindre à sa mère au bout d'un moment en lui disant "Écoute, Morgan n'arrête pas de me raconter ces histoires. Est-ce que tu peux m'aider Très vite, sa mère est allée sur Internet, bien sûr. Elle a fait deux trois petites recherches et elle a dit à sa fille "Écoute." Morgan se joue un petit peu de toi, hein, ne l'écoute pas, ce normal, il n'existe pas. C'est facile à dire quand on est adulte et c'est facile à comprendre, mais pour un enfant, ce n'est pas vraiment la même chose. Peyton, Morgan et Anissa n'étaient pas à proprement dit amis. Comme on dit, dans un trio, il y a toujours un duo. Et le duo était. Anissa et Morgan, les filles étaient bien plus proches, bien plus complices et elles n'hésitaient pas à s'en prendre à Peyton, à l'insulter, à se moquer d'elle assez ouvertement. Et c'est Anissa qui était particulièrement méchante envers Peyton, peut-être parce qu'elle la voyait comme une rivale, qu'elle ne voulait pas qu'elle lui vole Morgan. Mais étrangement quand Peyton et Anissa étaient seules, Anissa se montrait très gentille. Preuve qu'effectivement, elle souhaitait peut-être impressionner Morgan en étant super méchante avec Peyton. Mais l'ascendant dans le groupe, c'était bien Anissa qui l'avait. Elle était un peu le cerveau du duo. Pour vous parler un petit peu d'Anissa Wire, c'était une petite fille assez spéciale, une petite fille très intelligente, une petite fille très mature. À l'école, elle ne cherchait pas particulièrement à suivre les règles. C'était une bonne élève mais elle était assez solitaire et donc elle est très vite devenue un paria dans sa nouvelle école. Les gens la trouvaient un petit peu étrange. Mais c'est peut-être pour ça qu'elle s'est si bien entendue avec Morgane, qui elle aussi était un peu considérée comme la fille étrange du fond de la classe avant même son arrivée. Morgane était une petite fille gentille, en surface en tout cas, assez bosseuse, mais elle avait parfois des comportements étranges. Elle était très imprévisible et parfois elle se mettait en colère sans aucune raison. D'ailleurs, selon sa mère, elle avait très peu d'empathie. Un jour, quand elle était toute petite, sa mère lui a mis une cassette VHS de Bambi. Vous connaissez tous Bambi. Et la scène où la mère de Bambi est morte est arrivée. Et cette scène nous a tous fait pleurer. Hein. On a tous un peu versé quelques petites larmes. Morgan, elle, était totalement indifférente à la souffrance de la mère de Bambi. Et donc sa mère s'est toujours dit qu'elle était un petit peu spéciale. S'il y a bien une chose que Morgane adorait, c'était les chats. Elle adorait les chats. Sur presque toutes les photos que j'ai trouvées d'elle sur Internet, elle portait un chat dans ses bras. Donc les deux jeunes filles étaient réellement obsédées par Slenderman. Et elles ont même fait des recherches approfondies pour trouver le lieu où il vivait. Et elles ont découvert, mais c'est peut-être une fantaisie de leur esprit, que Slenderman habitait dans un manoir à Nicolette Park. Nicolette Park, un parc. Naturel qui se situait à presque 500 km de chez elle. Morgan et Anissa voulaient devenir les protégées de Slenderman. Elles voulaient vivre avec lui dans son manoir. Mais pour cela, elles devaient prouver leur loyauté à Slenderman. Et cela devait passer par quelque chose d'assez affreux. Sacrifier quelqu'un tuer quelqu'un. Et bien sûr, elles ont très vite réalisé qu'elles connaissaient une personne qu'elles pourraient amadouer assez facilement. Après avoir pris leur décision, les deux jeunes filles commencent à discuter régulièrement par mail et elles se donnent même des noms de code. Kitty pour Morgan, Kitty qui veut dire chaton, hein, petit chat, et Scorpion pour Anissa. Il faut donc imaginer ces deux petites filles qui ont seulement 12 ans, qui conversent via mail, en se disant, ok, il faut qu'on rejoigne Slenderman, donc comment on va faire, ok, il faut qu'on tue Peyton, mais comment on va la tuer, avec quel outil. Mais pour elle, c'était impératif de le faire, c'était nécessaire de le faire, il fallait qu'elle retrouve Slenderman. Nous sommes donc le vendredi 30 mai 2014, et c'est le jour de l'anniversaire de Morgan. Et tous les ans... Pour son anniversaire, Morgan organise une petite pyjama party et elle y invite généralement Peyton, surtout Peyton qui est vraiment sa seule amie. Mais ce soir-là est assez spécial puisque Morgan a deux amis. Anissa et Peyton, et que c'est le soir où elles ont décidé de mettre leur plan à exécution. On a donc ces deux petites filles, Morgan et Anissa, qui, le vendredi donc après l'école, se rendent dans l'appartement de Anissa pour faire son petit sac. Il y a donc la traditionnelle brosse à dents, le petit pyjama, mais elle glisse aussi dans ce sac un couteau. Un couteau qui devra servir à assassiner Peyton, puis des barres de céréales qui leur serviront de provisions puisqu'elles auront un long chemin à faire de chez elles à Waukesha jusqu'à Nicolette Park. Leur but étant de tuer Peyton et de fuir immédiatement jusqu'au manoir de Slenderman. Les filles sont vraiment de très bonne humeur ce soir-là. Morgan, Anissa et le père de Morgan montent en voiture pour aller chercher Peyton afin qu'elles puissent toutes les trois se rendre jusqu'à Skate World. Skate World, c'est une sorte de grande piste où on peut faire du roller et on peut aussi y manger des pizzas, on peut y manger des yaourts glacés. Voilà, c'est un lieu d'amusement, c'est un lieu d'entertainment, on va dire. Et vous l'imaginez bien, c'est un lieu parfait pour trois jeunes filles. Et à après cette soirée, les filles retournent chez Morgan. L'ambiance est un petit peu différente. Peyton le sent. Habituellement, les filles rigolent, elles mangent des glaces, elles mangent plein de cochonneries, on va dire, hein, et puis elles regardent plein de films. Elles dorment très tard. Mais là, Morgan est assise sur son lit. Elle joue aux Sims et puis elle dit quelque chose de très horrible. Ah bah tiens, je pense que je vais enfermer ma famille Sims dans la cave, je vais les laisser un petit peu mourir de faim, puis finalement je vais mettre le feu à la maison pour les achever. Ni Anissa ni Peyton ne prêtent vraiment attention à ce qu'elle dit, parce que apparemment Morgan avait cette habitude là de sortir des phrases très étranges. Donc elle passe à autre chose. Mais ce qui étonne vraiment Peyton, c'est que Morgan n'a pas envie de faire une nuit blanche ce soir-là. Elle a envie d'aller se coucher. Et ça, c'est parce que Anissa... Et Morgan ont prévu d'assassiner Peyton ce soir-là. Finalement, la soirée passe. Aucune des deux jeunes filles ne trouve le courage d'assassiner Peyton. Le lendemain, Anissa et Morgan se réveillent assez tôt et elles vont jouer à un jeu sur l'ordinateur. Peyton se lève un petit peu plus tard et elle les rejoint au salon. Et là, Morgan lui dit "Qu'est-ce que tu ferais si quelqu'un marchait vers toi et te poignarder. Encore une fois, Peyton n'en fait pas vraiment cas. Elle se dit c'est une simple lubie hein, de cette chère Morgan. La mère de Morgan se réveille. Elles prennent toutes le petit déjeuner ensemble. Et puis finalement, Morgan demande à sa mère si elles peuvent aller se promener dans une zone boisée qui se trouve non loin du complexe d'immeubles. Habituellement, la mère de Morgan aurait dit non, mais là elle accepte puisqu'elles sont trois. Elle se dit qu'elle ne risque rien. Pour Peyton, c'est une simple sortie. Mais Anissa et Morgan ont un tout autre plan en tête. Dans un premier temps, Anissa et Morgan attirent Peyton dans des toits sous prétexte de lui montrer des graffitis assez drôles mais une fois qu'elles arrivent dans les toilettes l'attitude de ses deux amies change elles lui demandent de s'asseoir au sol et peyton obéit pensant que c'est un jeu et là elles lui font une demande super étrange endors toi dors dors encore une fois les filles ne se voyaient pas du tout la tuer en la regardant dans les yeux et donc elle voulait qu'elle s'endorme, pour elle ce serait beaucoup plus simple. Mais Peyton résiste parce qu'elle ne comprend pas la demande de ses amis. Anissa et Morgan sont un petit peu tendues, elles vont dans la toilette d'à côté et elles discutent, elles se concertent. Vous imaginez bien que Peyton ne comprend pas du tout ce qui se passe. Morgan elle se met à pleurer, elle dit qu'elle ne trouvera jamais la force d'assassiner Peyton. Finalement elle repartent dans les toilettes où se trouve Peyton qui est toujours assise au sol, un petit peu confuse. Et Anissa se met à frapper Peyton. Elle veut qu'elle tombe inconsciente pour pouvoir la tuer plus facilement. Mais ça n'arrive pas. Et Peyton est un petit peu traumatisée. Mais je pense qu'à 12 ans, elle ne pouvait pas imaginer que ces deux fillettes, dans une qu'elle connaissait très bien, pouvaient vraiment lui faire du mal. Anissa et Morgan ne peuvent pas tuer Peyton à l'orée du bois, elle risquerait de se faire prendre, il faut qu'elle rentre dans le bois, il faut qu'elle s'enfonce dans le bois. Et donc pour cela, elle décide de jouer à un jeu cache-cache ou chat. Ce n'est pas très clair. En tout cas, c'est un jeu qui va permettre à Anissa de s'enfoncer dans le bois et à Peyton et à Morgan de la suivre en courant. Le plan fonctionne bien puisque les trois petites filles se trouvent maintenant au milieu des bois, en tout cas à un endroit où personne ne peut les entendre. Morgan et Anissa s'arrêtent tout net. Et là, Peyton se dit Oh, ok, qu'est-ce qui se passe Déjà qu'elle ne comprenait pas bien l'attitude de ses amis plus tôt, là, elle est un petit peu larguée. Elle parle de choses qu'elle ne comprend pas bien. Anissa dit à Morgan non, c'est toi qui dois le faire, c'est toi qui dois le faire, tu dois le faire. C'est toi qui sais où frapper. Et Morgan lui dit Écoute, moi je ne ferai rien tant que tu ne me donnes pas le feu vert. Peyton est là en mode ouais, on joue à cache-cache là Est-ce qu'on est dans une mission commando Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on a changé de jeu Elle ne comprend rien. Suite aux paroles de Morgane, Anissa s'éloigne. Elle fait plusieurs pas en avant, elle se retourne, elle est donc dos aux filles, et là, elle dit à Morgane Vas-y maintenant et vas-y à fond. Pour Morgane, c'est le signe qu'elle peut y aller. Elle sort donc le couteau de sa cachette et elle marche lentement, voilà, vers Peyton. Elle lui dit ⁇ Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je suis juste un petit chaton. ⁇ Finalement, elle se jette sur Peyton, elle se met à califourchon sur elle, elle se penche vers son oreille et elle lui dit ⁇ Je suis désolée. Finalement, elle se redresse et elle plante son couteau 19 fois. Dix-neuf fois. Dans l'abdomen de Peyton. Morgan et Anissa ne semblent pas bien comprendre ce qui se passe. Peyton, qui vient de se faire poignarder 19 fois réussit à se lever et elle commence à marcher vers la route. Je pense qu'à ce moment-là, son instant de survie est euh, parti en full mode, quoi. Et donc, elle commence à marcher vers la route. Anissa la rattrape par les épaules et elle lui dit, reste là, nous on va aller chercher les secours. Si tu marches, tu perdras plus de sang. Les filles partent et Peyton est en train de haleter, elle a du mal à respirer, elle dit qu'elle ne voit plus rien. Et puis surtout, elle dit aux filles, eh bien, je vous faisais confiance, je vous déteste. De leur côté, les filles prennent leur sac à dos et elles se mettent en route pour Nicolette. Park où elles sont censées retrouver Slenderman. En voyant que leur amie n'était pas morte, elles auraient pu avoir... Un petit regret, se dire, bon, finalement, tout n'est pas perdu, on va appeler la police, on va expliquer ce qu'on a fait. J'ai l'impression qu'elle n'était pas très lucide. Et dans cet univers où Slenderman existait, finalement tuer Peyton, ce n'était pas si horrible que ça, ce n'était pas si extraordinaire que ça. Les filles ont repris leur chemin, Peyton a réussi à ramper presque jusqu'à la route, et elle est tombée sur un cycliste, Greg Steinberg, qui d'ailleurs n'aurait pas dû passer par ce chemin parce que la route était bloquée. Heureusement, heureusement. Qu'il est passé par ce chemin. Il a immédiatement appelé le 911-911 et puis il lui a offert de l'eau. Quant aux fillettes, elles ont très vite été interceptées. Bien sûr, elles ne sont pas arrivées jusqu'à Nicolette Park et peut-être que si elles étaient arrivées jusqu'à Nicolette Park, elles se seraient rendues compte de leur erreur et elles auraient éprouvé un peu plus de remords en découvrant qu'elles avaient presque tué leur ami alors que Slenderman n'existait pas. Okay. Okay. What happened to Bella? Is Bella your friend? Mm -hmm. she's, the, she's not a niece. She's the one who was stabbed. Can I ask a quick question? Sure. I just wanted to know how far I walked because I'm usually not very athletic and <laughs> just want to know. Je trouve que les extraits d'interrogatoire des deux jeunes filles sont assez terrifiants. Dites-moi ce que vous en pensez. On a deux enfants, une qui est très calme, qui a l'air très lucide face à son acte, et une qui est très agitée. Mais les deux interrogatoires sont terrifiants chacun à leur manière. Surtout que Morgan, elle, ne semble pas éprouver de remords. D'après elle, et d'ailleurs elle le répète à plusieurs reprises, cet acte de tuer Peyton était nécessaire. La bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que Peyton a survécu. Heureusement, elle a survécu, mais il lui a fallu, comme vous pouvez l'imaginer, des mois et des mois pour s'en remettre. Lors de sa dernière interview, Peyton disait qu'elle devait entrer à l'université à l'automne 2020 et qu'elle avait toujours des cicatrices, que ce soit des cicatrices physiques ou des cicatrices émotionnelles. Elle expliquait par exemple qu'elle avait toujours beaucoup de mal à faire confiance, que ce soit à ses amis ou même à sa famille. Et surtout, dans cette interview, Peyton expliquait qu'elle ne pourrait jamais jamais pardonner Anissa et Morgan, qu'elle pourrait peut-être essayer d'oublier un jour qu'elle vivait déjà avec finalement, mais qu'elle ne pourrait jamais leur pardonner. Les modérateurs du forum d'où avait émergé l'histoire de Slenderman ont publié une déclaration exprimant leur condoléances pour Peyton et pour sa famille. Eric Knudsen, l'homme qui a donné vie à Slenderman, s'est aussi exprimé à propos de cette affaire, expliquant qu'il regrettait ce qui était arrivé à Peyton. Il a également tenu à rappeler que son histoire était totalement fictive, qu'il ne fallait pas y croire. Cette histoire est assez dingue. Je me demande bien ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que j'ai besoin d'avoir vos avis. Est-ce que vous aussi vous croyez à l'histoire de Slenderman ou peut-être à une autre légende quand vous étiez plus jeune Et jusqu'où sont allées ces croyances J'aimerais bien lire tout ça dans les commentaires. Comme toujours, je lirai tous vos commentaires avec attention et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.